Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. C'est le temps que Dieu nous donne pour pouvoir partager la parole de Dieu. Mais nous allons prier, bien-aimé, avant de commencer notre méditation. Nous allons prier le Seigneur. Tu es Dieu, tu resteras notre Dieu. La Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, il s'agit de toi, il s'agit de ton nom. Il s'agit de ton honneur. Voilà pourquoi, Seigneur, que ce temps soit gouverné, conduit, Seigneur, par toi, par ton Esprit Saint, pour que, Seigneur, quelqu'un puisse recevoir une parole, Seigneur, venant de ta part, dans le nom puissant de Jésus-Christ, et qu'une âme soit bénie et une âme, Seigneur, puisse être visitée. Seigneur, au travers, Seigneur, de cette parole. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié, nous disons gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen. C'est le temps où nous voulons bien aimer méditer la parole de Dieu. Et nous allons sans plus tarder lire notre texte d'aujourd'hui. Nous sommes toujours dans Galates 6. Et aujourd'hui, je lis à partir du verset 14 jusqu'au verset 18. Voilà, la Bible dit ceci. Moi, je veux me vanter d'une seule chose. C'est l'apôtre Paul qui est en train encore de parler. Il dit, c'est de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par la croix, le monde est mort pour moi. Et moi aussi, je suis mort pour le monde. Être circoncis ou ne pas être circoncis, cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que Dieu nous a... Ce qui compte, c'est que Dieu nous crée à nouveau. Pour ceux qui obéissent à mon enseignement, j'ai dit que la paix et la bonté de Dieu soient sur eux et sur le peuple de Dieu tout entier. Maintenant, personne ne doit plus me faire des difficultés. En effet, je porte sur mon corps la marque de souffrance de Jésus-Christ. Frères et sœurs, que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Alors, continuons toujours, bien-aimés. Là, c'est toujours l'apôtre Paul qui parle. C'est ce qu'il dit, ben, c'est lui qui veut se glorifier, qui se glorifie dans le Seigneur. Donc, il est en train de nous faire comprendre que, bon, on peut avoir des choses, on peut faire des choses, on peut avoir des biens, on peut avoir beaucoup de choses bien-aimées dans ce monde. Mais cela, bon, cela n'est pas, c'est pas le plus important en fait. Mais nous voyons en fait, ceux-là qui ont peut-être, qui ont le bien, qui ont des maisons, qui ont l'argent, qui ont des voitures, mais sans Christ, ah, c'est des cadavres ambulants. Et voilà pourquoi il est en train de dire, ce qui est important pour moi. Et d'ailleurs, je peux aussi, moi, le dire aujourd'hui. Et je voudrais aussi que quelqu'un puisse le dire aussi aujourd'hui. Le plus important, bien-aimé, dans notre vie, ce n'est pas, bien-aimé, d'acheter des maisons. Ce n'est pas de faire des... Ce n'est pas d'acheter des voitures. Ce n'est pas d'avoir de belles robes, de beaux vêtements. Ce n'est pas tout ça d'avoir beaucoup d'argent. Mais le plus important, la vie, tout est vanité, des vanités. Tout est vanité. Nous sommes venus, bien-aimés, dans ce monde, mais vide, et nous allons retourner, mais vide. Mais... Ce qui est important, il est en train de dire, il est en train d'insister pour dire à quelqu'un que non. Ce qui est important pour moi, c'est d'abord, c'est ma relation d'abord avec Dieu. Ce qui est important pour moi, ce qui est important, c'est ce que Christ a fait pour moi. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Christ est allé à la croix pour moi. Il dit, ce que je suis avec Christ est plus important. Que c'est que j'ai, ce que je possède. Donc, Christ est plus important que ma maison, plus important que ma voiture. C'est bien d'avoir une voiture, je ne dis pas de ne pas en avoir, hein, de ne pas en acheter. Non. Si d'ailleurs, si Dieu te donne la possibilité, il faut en avoir. Et pour servir le Seigneur avec, c'est d'ailleurs mieux. Mais il dit, ce qui est important pour moi, ce qui est le plus important, ce n'est pas ce que j'ai, ce que je possède, mais c'est ce que Christ a fait pour moi. Je peux avoir bien aimé de l'argent, mais sans Christ,
n'y a pas la vie. Sans Jésus-Christ, je ne suis rien. Donc, une seule chose, il est en train d'insister, c'est que Christ est mort pour moi. Il a fait pour moi, il a fait pour toi. Il a laissé son trône pour venir, bien-aimé, mourir à la croix, pour prendre ta place, pour prendre ma place. Bien-aimé, je ne vois pas bien autre chose qui peut être important que l'œuvre de la croix, que ce que Christ a fait à la croix pour toi et moi. Il a fait, bien-aimé, par amour. La croix m'a redonné, bien-aimé, de la valeur. La croix a changé ma vie. La croix m'a encore redonné de l'espérance. La croix a encore changé mon histoire. Voilà pourquoi je peux que me glorifier dans le Seigneur. Je dis, tout est vanité pour moi. Autrefois, bien-aimé, inutile, mais la croix, aujourd'hui, m'a rendu utile. La croix a fait de moi aujourd'hui quelqu'un. La croix a fait de moi, elle m'a donné une nouvelle identité. Elle veut dire, je suis devenue une nouvelle créature. J'ai une nouvelle identité en Christ. C'est ça ma joie, ma plus grande joie. Maintenant même, je dis que même le regard des hommes, c'est différent maintenant par rapport à moi, par rapport à ma vie, à cause de ma nouvelle identité. Oh, je voulais dire à quelqu'un, reste accroché, bien-aimé, à Christ. Si aujourd'hui, bien-aimé, tu es celle ou celui que tu es, si moi je suis celle ou celle que je suis aujourd'hui, c'est parce que Christ, il est allé à la croix pour moi. Parce qu'il a, il a changé mon histoire. Autrefois folle, aujourd'hui un instrument entre les mains de Dieu. Autrefois inutile, aujourd'hui utile. Oh, je ne peux que me glorifier, je peux dire gloire. Oh, gloire, et je vais dire merci Seigneur de ce que tu as fait pour moi. Seigneur, tu n'as fait que pour moi. Donc par là, je comprends que même s'il n'y en avait pas d'autres personnes, il n'y avait que moi seul. Donc tu allais aussi venir pour moi seul. Que pour moi seul. J'ai dit merci. Et je dis merci à notre Dieu par rapport à cette parole. Et mais je vais prier avec quelqu'un. J'ai dit, estime-toi heureux ou heureuse parce que tu es en Christ. Sois dans la joie parce que Christ a changé ta vie, a changé ton identité. Je vais prier. Éternel notre Dieu, merci pour ton amour si grand. Seigneur, tu as laissé le trône pour venir, Seigneur, mourir à la croix de Calvaire. Tu as été béni, Seigneur, flagellé. On t'a fait porter la couronne d'épines. Mais tout cela, Seigneur, pour moi, pour que je sois aujourd'hui appelée fille de Dieu, enfant de Dieu, une nouvelle créature. Yahweh, merci parce que tu as changé encore ma nature. Tu as fait de moi ton enfant. L'œuvre de la croix m'a recréé. L'œuvre de la croix m'a redonné encore de la valeur. Comment ne pas te dire merci, grand Dieu? Et merci pour ce que tu as fait pour mes frères et sœurs. Yahweh, merci pour les bonnes choses, Seigneur, que tu as accomplies pour nous. Et maintenant que nous avons compris que le plus important, ce n'est pas, Seigneur, et notre joie ne doit plus être ailleurs, plus dans d'autres choses, mais c'est notre joie, c'est de t'appartenir, d'être aujourd'hui appelé fille, fils de Dieu. Seigneur, merci. Dans le nom puissant de Jésus,
Merci pour ces privilèges. Que ton nom soit glorifié, magnifié. En ton nom, Jésus, j'ai assez prié. Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu pour ma nouvelle identité. Je sais que maintenant, ce qui est important pour moi, ce n'est pas autre chose, mais c'est ce que Christ a fait à la croix pour moi. Que Dieu puisse bénir quelqu'un. Et nous sommes bien-aimés à la fin, au terme de notre émission. Retrouvez-nous sur Orao Telecom, canal 142. Et sur YouTube. Que le Seigneur vous bénisse.